Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Hop, oula, je vais prendre un accent chelou là. Inquisition reste, c'est parti. Il n'y a plus rien à Londres. Ah oui, il s'était fait un peu maltraiter lui, il me semble. Oui, non, on s'en fout. Alors, où est-ce que j'allais? Je ne sais plus du tout. Honnêtement, j'ai aucun... Ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. 2-3 semaines, peut-être. Et je sais même pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Là, je me rappelle que j'avais mis mes cuirassés en déplacement. Qui étaient censés aller où je veux, mais je sais pas trop. Je sais plus si j'avais. Si j'étais parti là, ou là, ou. Ou là, ou. Il n'y a pas beaucoup de ou restants. Ah ouais, et puis il y a quelques. Un peu de malheur là. C'est un peu de mécontentement, ouais, bah tu m'étonnes en même temps. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes. Très peu de. De construction de bonheur. On en est où avec condition de victoire, tiens. Ah ouais. 1, 2, 3, 4. Ah, il me reste 4. Comment ça s'appelle? Capital à prendre. Ou alors, ouais, ça monte bien au niveau de l'influence. Ah, même l'Allemagne bientôt. L'Éthiopie bientôt. Ouais, l'Angleterre, là, c'est... C'est compliqué, hein. C'est surtout là, 23,1. C'est peu tout ça, c'est peu. Alors Japon, Kyoto, allez hop. Ah. Buenos Aires, allez c'est parti. C'est toujours pas aménagé le blé là. Ok. Barcelone. Je vais l'envoyer par là. Ouais. Tout ce que je me dis, c'est que... Ah, j'allais me dire, c'est peut-être ça... Peut-être que je les ai envoyés ici ou là. Parce que je me disais sinon il partirait vers la gauche. Le problème c'est que bah là il y a un grand... Ah quoique... Non. Ouais à mon avis j'ai pas dû les envoyer là. Je pense pas. Sinon ça serait passé par le détroit ici. Ok, le bonheur est un peu remonté. Mais il va falloir faire plus de zoos, de bâtiments du genre, de bâtiments qui donnent justement ce bonheur. Colisée, c'est bien. Il y a beaucoup d'aéroports. Les racines du mal ne sont pas dans la construction de nouvelles armes plus redoutables. Elles sont dans l'esprit de conquête. Entre autres. Hop là. Allez, on va faire le Pentagone. Hop, on va l'envoyer là, lui. C'est pas très loin. Allez, faire quelques recherches. Pas ménager. C'est chez nous. Hôpital.
hôpital, hôpital. Ouais, il y a beaucoup d'hôpitaux, mais... Ça, c'est pour augmenter la population. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose d'augmenter tant la population que ça. Ça va me faire perdre encore du bonheur, le peu que j'ai. C'est où? Celle-là? Vagues révolutionnaires, mais ils sont bien. Là, ils ont du malheur, mais ils sont satisfaits. Résistance civile. Oh, moins 8. Oh. C'est quoi les bots? Ah oui! J'avais oublié ça. Oh, j'adore. Oh, en plus, mais non, c'est le Japon le. Comment ça se fait? Oh, le hasard! Le hasard qui fait que le Japon est deuxième en organisateur. L'invité, on va dire l'invité. L'invité d'honneur, ouais, voilà. Voilà. Ah, ça me fait bien rigoler, ça. Le hasard, comme quoi, des fois, il fait bien les choses. Hop, et... Arrête de bouger tout seul. Diminue l'amélioration des unités et... Et c'est tout. Non, il n'y a pas d'autre chose. C'est diminue. C'est tout. Le coût d'amélioration, bien évidemment. Ah, c'est parti. On va envoyer des archéologues. Ah, le grand pare-feu, ça, c'est bien, ça. Réduit de 99% l'efficacité des espions ennemis dans la ville. Vous les construisez toutes les autres villes de la civilisation. Profite d'une réduction de 25% de l'efficacité des espions ennemis. Annule le bonus de tourisme dont les joueurs profitent. Tourisme dont profitent les joueurs et ont découvert Internet. Ça va venir. Ça va venir Internet. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je crois que je voulais que ça. Hein. Après, j'ai rien mis derrière, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Satellite. Ah oui, ici, il révèle la carte. Et Internet, c'est où ça? Là. Il y a encore du chemin. C'est marrant, c'est que je fais un grand pare-feu avant l'Internet, quand même, moi. C'est original. Ouais. Attends, juste qu'on rigole, on va voir quelques stats. Population. 70 millions. Ça va, c'est pas énorme. Hein. Le territoire, il est plutôt correct. Hein. Approbation. Ouais. Pas ouf. Je suis pas dernier. Toi, tu devais aller à Delhi, je suppose. Ok. Où sont les bateaux? Ils sont là. Partout hein. J'en ai un là. Ah, des barbares, tiens donc. Des barbares bien équipés quand même. Équipés de fusils, de tout ce qu'on veut. Sacré barbare quand même. Ah, j'ai encore des lanciers. Attends. Il n'y a pas moyen que j'améliore ce genre d'unité quand même. Là aussi j'ai des lanciers, j'ai de la Gatling. Ouais, la Gatling, ça je sais que je peux l'améliorer en mitrailleuse. Peut-être faire un tour des unités de tente quelque part. Hop. Liste des unités, voilà. J'ai des spies. Mais je sais pas parce que le lancier c'est des charges, je crois, un truc comme ça. Alors que je check. Qu'est-ce que c'est ça? Lance-roquette ou unité anti-aérienne? Là pareil, j'ai des corsaires, attends. Nouvelle unité de navire. J'ai eu deux nouvelles unités enfin. En un tour quoi. Ah, on peut les upgrade. Canon anti-char. Ok.
Ça c'est la mitrailleuse décline, donc en mitrailleuse normale. Ça c'est le canon anti-char. Ok, canon anti-char. Ça je pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'en ai deux. Lance-roquette, lance-missile. Ok. Faut pas trop la différence. Il y en a un qui doit être que pour les unités aériennes. Je crois que ça doit être pour les unités aériennes, non? Je sais pas. On va faire ça. Hein. Ah putain, tu vois, tu vas aller là. Bras de place. Ah non, je peux pas. Ah d'accord, j'en ai reçu deux sur la même case. Oh. Là, je peux pas les augmenter. Fusilleur. Où est-ce qu'il était lui? Attends, j'ai plein d'unités d'infanterie qui sont... Ah ouais, mais là, il est pas chez moi, ok. Corsair. En destroyer. J'ai un chevalier là. En cavalerie. Et j'ai de la cavalerie là. Un véhicule terrestre. Et là, c'est que c'est de l'ouvrier, tout ça. Ouais. Navire marchand, ouvrier. Archéologue, inquisiteur. Ok, on aura fait le tour déjà. Alors. Venise. Ça, c'est quoi ça? Ah. Les unités aériennes. Ok, ouais, c'est ça. On continue sur les archéologues. Ah, ça c'est l'unité qu'on m'a donnée, je crois. Ça pareil. Il y a que ça. On a fait que de me filer des trucs, c'est fou quand même. C'est plutôt sympa. Ouais, non, il y a du barbare là. Hop là, ici il y en a. Des sites antiques. Déplacer vers le port. Emmener à Xi'an. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va se passer là-bas. Il n'y a pas de port à Xi'an. Ah, si. Adopter une doctrine. Le coût amélioration est diminué de 33%. On peut décidément. Dépendant d'un école militaire, 50% plus vite. Oh oui, ça c'est bien. Sachant que ça me donne du bonheur, ça se construit plus vite encore. Ça, c'est vraiment cool. Oula, ah oui, il y a du passage. Adélie. Plus de confucianisme. C'est plus la ville sainte. Bah, il y en a encore, mais. Non, il n'y en a plus, mais. Ça va revenir. C'est comme là. Hein. Mais ça perd vachement de pression, ça, c'est cool. La mienne en gagne. Ah bah, il est temps de. Et tant de tilté, parce que ça doit faire un moment que ça que je l'ai fait en plus ma revendication. Enfin la proposition. Ça doit faire vraiment un bon moment. Bah c'est chez moi, pourquoi je peux pas l'améliorer ça? Peut-être plus d'argent. Bon oh, attends, j'ai 10 000. Bon. Ça fait des aéroports. Là si je fais acheter, est-ce que... Ah ouais, tout ce qui est caserne et tout, ça me les débloque pas tout seul. Voilà, je me suis rajouté 6 de bonheur. Pas grand chose en plus. Pour une bouchée de pain. Les blows, hein, ça doit être pareil, non? Ah non! Je suis médisant. Les blows, ils ont tout fait. C'est bien, les gars. Hop. Ok. Ok. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Oui, donc je peux du. Ah oui, bah tout et tout. Ah oui, j'avais d'unité ici que j'avais oublié. Hein. Hop, dodo. T'es qui toi? Ah oui. Voilà, dodo. 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 Oh.
Ah, là aussi. Ah, char. Ah, on peut encore améliorer. Ok. J'ai envoyé ici. Ok. Ici? Non, non. Je l'ai envoyé ici. Je sais pas où je l'avais envoyé, mais pas ici. Voilà, je suis le pilleur de côte. C'est qui ça? Le Sean. Ah. Salut les gars, ça farte. Dis donc, c'est que... C'est qu'il y a du monde dans le coin, c'est sympa. On se fait une bouffe? Vous sortez pêcher, c'est ça? Vous voulez que je m'occupe de vous avant? C'est ça? Pas de problème, on peut s'arranger. Hein. Tu sais... Ça sera fait rapido, hein. Il y a du triplan, ouais. Vu la flotte que j'ai là, en plus. Alors, excusez-moi. On est admiré, c'est magnifique. Un autre cuirassé, ok. Bon, je suppose que c'est fait exprès. Ok, moi je les avais envoyés là. Je vois qu'il a beaucoup de bombardiers. Je vais... Je vais mettre des unités en interception. Bon, j'ai déjà ceux-là, là, en interception. Je sais pas si j'en ai d'autres qui sont barrés autre part, pas trop loin, si possible. Je me disais... Donc ça c'est du canon anti-char. C'est quoi ça? Canon anti-char encore? Que ça? Non bon, c'est pas bon grave. Ça va être intéressant là. Pas mal de troupes. Là, je suis un mignon. C'est bizarre, il y en a beaucoup autour de chez moi quand même. Pourrait-il qu'il se trame quelque chose dans mon dos? Ah mince. Mon marchand illustre. Ah bah c'est ballot. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais, du triplan. Oh, il y a encore. Encore de la marge. Ouais, c'est vrai qu'il vient de se faire piller sa capitale. Ah ouais, moche. Ah, c'est con, ça. T'as une ville à 1. 1 de population. Ah bah là-bas aussi, 1.
tête cette je vais t'envoyer toi là-bas. Parfait. Bon, pas trop le choix. On va voir, ouais, mais ça se rapproche de là. Je vais les placer, je vais prendre mon cuirassé, j'ai un destroyer. Lui, je vais le mettre là au cas où. Je vais prendre un destroyer là qui va aller bas. Un autre destroyer là. Choisir un archéologue. Ah, artefact almatois. C'est les montagnes. Ah, c'est ballot. Un petit peu plus de bonheur, ça c'est cool aussi. C'est vrai que ça commençait à être ric, rac. Et plus ric que rac, ou plus rac que ric, je sais pas. Ça commençait à être un peu tendu. Ouais. Nouvelle unité d'Almaty, encore? Arrête pas, hein. Il y a des soldes sans promo ou comment ça se passe? Oh la vache! 740! Elle me kiffe à 740 quoi, c'est. Et lui là? Ah non, c'est magie du chou. 825, c'est toujours plus. Ok, bon, bah je pense qu'on peut commencer. Ah, on a encore un petit cuirassé là, regardez. C'est bon. On va commencer, on va s'attaquer à un gros morceau. Ouais, elles sont fortes quand même, elles sont résistantes, leur ville. Enfin, en moins. Bien sûr, on fait des villes fantoches. Ça, je peux pas vraiment. Je vais l'emmener là-bas. C'est quoi cette. C'est pas la barrière de corail, c'est la barrière de corsaire. C'est ouf ça, quand même. Quelle idée, qui a eu cette idée-là? Pas ouf. Mince. Des dégâts d'ici, c'est pas grave. Hop là, hop là. Hop là. J'oublie. Ah oui, bah oui, on oublie un peu des unités. Hein. Faut que j'ai plus de portée que lui, j'espère. Hop, là je vais mettre les unités là, je vais faire avancer là-bas. De me faire couler quelques navires marchands, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Hop, là, je vois.
une artillerie, là-bas on va les couler. Encore. Ah, décidément, on a partout ça. Faire dormir pour l'instant. On verra plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a là-bas aussi. Ah, flemme. Ouais, si, faudrait que je vais chercher. Prendre une unité à pied. Un truc costaud, ça. Parfait. C'est quoi comme type de terrain? Ça va, c'est assez plat. Choc. On va voir, bon. Alors, ça va mettre un peu plus de temps à bouger, je crois. Ah bah là ça a bien marché. Ah par contre là si tu me dis que ça intercepte pas. Wesh. Ah d'accord, ça a le temps de lancer avant. Ok. J'ai perdu un ouvrier. Quel dommage, mon ouvrier. Aïe aïe aïe. J'ai coulé vie. Ça a été efficace. Hein. Ah, bien joué mec. Ah, pas bien joué en fait. Je pensais que vous auriez. Vous arriveriez à le... à le faire tomber cette unité, même pas. Déçu. Ok, alors, toi. La question ne se pose même pas. Et coucou. Ça vaut le coup que je m'engouffre là, oui. Hop là, on va aller sur cette unité là. Là on est bien en interception ici, pas besoin. Je vais me mettre là au cas où. Non je peux pas. Non bon bah il va pas bouger non plus. Bon ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Tire indirect, ça c'est fort.
C'est quand le tir double? Je sais pas quand c'est, mais il me semble qu'on peut en mauvais moment. Niveau 5. On va faire ça. Voilà. Voilà, on s'avance petit à petit, pas besoin de se presser. Oh, c'est con. Il me manque une case. Alors, dit comme ça, ouais, dit comme ça peut paraître bizarre, mais il manque une case. Pour pouvoir taper sur celui que je veux, mais bref. Ok, là je vais lancer là, et là je vais lancer là. C'est efficace, hein. Oh la vache, les dégâts, toi. La vache. Hop, et on va l'avancer comme ça, il est mieux centré. Lui, je vais envoyer là. Ah, coucou, comment ça va? Ouais, pas beaucoup de dégâts, hein. C'est pas grave. Toi, tu te répares. Toi, hop. Ouais, je me suis pas encore fait couler de navire marchand, tiens. Ça ne serait tardé. Voilà, ce sont mes artefacts. C'est violent. Même ça pour des artefacts, pas ouf, quoi. Ah, il bouge. Allez, on va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui. J'attends juste que le tour se termine. Donc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. On s'attaque au plus gros morceau pour l'instant qui existe. Bien que ce soit un gros morceau. Le suspense n'est pas trop là. On se doute déjà de comment ça va. Terminé. Avec un ingénieur. Un inquisiteur au niveau de Pékin, oui. Vous avez tout à fait deviné. Bien joué à toi. Ah, mine de rien. Ça envoie, hein. Inquisiteur, voilà. Bon, l'Allemagne et tout, ils vont pas faire grand chose. Ah! Bon, je vous dis merci à tous d'avoir suivi. C'était Thiob.